inland Amman or you live in coastal Barcelona, whether you are young or you belong to the older generation, we are all concerned about the environment where we live. Welcome to our green event. We need to raise awareness among our communities on the environmental issues that we are facing and we are working on. And here, we need to go and see our local problems and then connect with other youth to see what international and what regional solutions are there that we can benefit and implement. We already know everything that we must do. We already know everything. Aware that if we are not doing on our own, nobody's doing it. Just start and do it and activate all the people around you, and that's going to save first your quarter, then your city, then your region, then the world. Tu vois, c'est pas mon déchet, mais c'est ma planète. Et du coup, ça engrange une première réflexion pour ensuite aller plus loin et mettre le tapis, mettre le sujet sur le tapis. Je vous embrasse très très fort de l'autre côté de la France. Inimaginable. Et on était plus de personnes. Et puis, en fait, c'est assez marquant de voir qu'un seul ramassage peut avoir un impact très différent sur différentes personnes. Je crois qu'il y a un intérêt pour ça. Et puis là, le but à l'avenir aussi, c'est de mobiliser des gens qui ne soient pas encore sensibilisés et de continuer d'avancer, de fédérer du monde autour du projet. 97% of our water is polluted. We live under 3 to 6 hours of electricity per day. We basically have almost like less than 2 to 5% green area in our this small strip. Finally, we got to our first successful prototype, which is a building block that's made out of the rubble of the demolished houses, the ashes that come out of the burning places that make mud pots for the families in Gaza. Aujourd'hui, nous sommes un comité de 30 000 personnes qui recyclent du bon. Depuis qu'on a commencé, on a collecté plus de 6 000 tonnes de déchets qui auraient fini dans les décharges publiques ou dans la mer Méditerranée carrément. Donc, non seulement nous nettoyons notre pays, nous aidons à l'économie circulaire à se développer. Aujourd'hui, au Liban, on importe plus de 1 milliard de déchets de matières premières qui sont en fait jetés à l'eau. Donc, on aide l'économie circulaire du pays et l'économie en soi, et on crée des emplois. The live connection with two of our projects funded by the NECDCMED program. The main goal of our project is to close the loop of organic matter inside the town, mainly by coupling community composting with urban farming projects. Before that, we have here a neighbor just using the composter. So as you can see, there is nothing else to do from their side, just throw the organic matter. We need something else in the middle, like an intermediate step to separate the compost from the bulking agent that we use to do properly the composting. So we have here the system. This is the raw compost that we have. So this is the raw compost that we are extracting from our composters after 3 months. And then we are discharging this mixed material in here, and it's transported to this rotary system, a compost of really good quality. So here they can come and take the compost for the gardens and for the vegetable gardens, right? Okay, let's see. So here they can recover the final product. The final step of the process of the composting process here in the pilot that we have in Los Matias Tarola. So this is where we finally close the loop of the organic matter of the town. This Tunisian partner of Common Project is showing us a beach litter monitoring activity on the Tunisian coast. Le principal objectif de ce projet de recherche, c'est la détermination et la caractérisation de tout ce qui est plastique flottant en mer méditerranéenne selon des sites pilotes, mais aussi au niveau de certains poissons comestibles. Et là, on a entre les mains ce qu'on appelle une espèce de dorade qu'on doit aller peser pour pouvoir déterminer par la suite le nombre de particules par gramme de tissu sur lequel on a travaillé. Donc voilà. Alors, malheureusement, on ne va pas pouvoir suivre toutes les étapes une à une, mais ça, c'est exactement
la solution de tout à l'heure avec le tissu qui a complètement disparu parce que tout simplement c'est l'attaque basique qui fait que le tissu va disparaître et on va essayer maintenant de récupérer tout ce qui est particules de plastique flottantes. Et donc juste on va verser le contenu de notre échantillon hydrolysé et on va récupérer des filtres. Et ce sont ces dimensions qui vont définir exactement la taille du plastique qu'on va récupérer. Et on essaye d'extraire l'ADN à partir de ce plastique. What is an ideathon? So it's a methodology to enable open innovation. One of the main hotspots in terms of climate and environment in the world. Although it holds up 18% of all identified marine species in the world and so many other natural resources, today we are using 3 times more natural resources than the region can provide.